Albert Pernet, DTN de la FFKMDA. Donc là, on est à Reims, au Krebs de Reims. C'est le premier stage de détection pour la discipline du Muay Thai. Donc les sportifs qui sont ici, soit ils ont fait l'équipe de France 2018, ils sont allés au championnat d'Europe, au championnat du monde, soit ils ont été détectés sur les derniers championnats de France. Et donc là, on a un stage d'environ 65 combattants. C'est le premier de la saison, donc c'est des évaluations physiques, techniques. Et puis l'objectif, c'est de retenir les meilleurs pour le stage suivant qui va se dérouler à peu près dans un mois et demi. Peut-être qu'il y aura un Open qui sera là, je ne sais pas exactement encore. Donc en tout, il y aura 5 stages. Riyad, entraîneur des équipes de France Muay Thai. Nous sommes au Krebs de Reims pour les stages de détection. Nous venons de finir le test navette. Là, les athlètes sont partis manger et nous reprenons à 15h pour une thématique format IFMA. Vous enfilez vos baskets, on commence l'échauffement. Toujours sur le même format, ce qui prédomine, c'est le PAMA, le corps à corps. Terminer la journée avec une petite présélection. On a travaillé du technico-tactique avec les différents athlètes pour voir comment ils vont s'adapter sur les différents types de boxeurs, s'ils ont du débit, s'ils savent faire de l'esquive, de la touche et toutes sortes d'exercices technico-tactiques. Demain, on terminera l'entraînement, on va finaliser, on va être un peu plus pointu sur l'entraînement. On va axer sur des thèmes technico-tactiques toujours bien basés, avec des assauts à thèmes bien définis. Et on va affiner le profil du groupe.